Alors. Oh, mais ça coûte 10 pièces. Rembourse-les-moi. Non. Ben si, t'as plus de thunes que moi. Donc la coutume... D'abord là. J'en ai 57. Ok. 57 pièces. Bah, ouais, mais non. Non, mais pour 10 pièces d'argent, tu vas faire ta rapia ? Oui. Mais c'est une honte. Ça, c'est de l'armure de qualité. Ah bah, du coup, tu te démerdes avec le champion. Non, 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 tu viens. Mais je vais me faire défoncer, même si je suis à distance. Mais non. Même si je suis à distance. On va voir ce que ça donne. Alors, si tu veux aller tout en bas pour refaire le point de héros, ça sert à rien, c'est un vétéran. C'est un vétéran maintenant ? Ah, ça a toujours été un vétéran. Non, pas toujours. Ah non, mais c'est un vétéran, je l'ai fait il y a pas longtemps. Two very boring minutes later. Ça répond à ta question ? Non. Pas du tout, même. Bah, déjà, ça te fait dire que j'avais raison, quoi. C'est un vétéran, quoi. Oui. Ça, c'est pas normal. Ben oui, donc du coup... Surtout que quand t'es à terre, il suffit juste que tu attendes que tu survives suffisamment pour que ton pet vienne te raise. Téléportation auprès du chef de groupe. Vous retournez auprès du chef de groupe ou qui se trouve dans le manoir. Ça veut dire que le manoir de June est immense et que je risque de me perdre si je ne te suis pas ? Mais c'est... Non mais attends. Mais c'est génial, je veux cette compétence tout le temps pour Prosper s'il me perd à chaque fois, comme ça j'ai pas besoin de lui dire « Prosper, c'est à gauche, non c'est à droite, dadadadada. » Le souci c'est que quelque part, si tu vas en instance avec Prosper, c'est lui qui le lance, c'est lui le chef de groupe. Ah oui, j'ai pas envie de me retrouver dans la même passoire que lui, donc non. En avant, monsieur Oursillon, on est attendu. Oui, oui. Vous voilà enfin. Oh, commandante, que s'est-il passé ? C'était la merde. Swan, elle est perdue. Ouais, j'étais bloquée en chargement. Le vide l'a envahie. Totalement. Le monde entier connaîtra bientôt le même sort. Non. Nous allons arrêter ça. Nous n'avons pas le choix. Bien. Taimi nous attend. Elle a organisé une rencontre avec June. Ce qui est pour le moins... étonnant. Autant que je sache, June pense toujours que tout est de votre faute. Taimi ? On est là. Après, on a des preuves. Oh, parfait. Je vais vous ouvrir. Bienvenue à tous dans la résidence de Madame June. Elle marche on est dans le pétrin, non ? Ouais. C'est un exosquelette, je crois. Il faut qu'on commence à travailler sur le réacteur sans attendre un instant de plus. Où est June ? Oh, à l'intérieur. C'est par là. Ça fait plaisir de la voir... Pourquoi n'y a-t-il pas de porte ? C'est un artifice. June aime frimer devant ses invités. Tout fonctionne avec la technologie de Jade ici. Il suffit de couper cette batterie, commandante. C'est spécial chez June. C'était pour le moins, t'as pas l'œil. C'est là que se trouve le labo ? Oui, même si ceux de Xunlai sont mieux équipés. June dit qu'elle travaille mieux ici. Je ne vais pas critiquer ses méthodes. Après tout, elle a trouvé un tas d'applications à la magie draconique. C'était quand même bizarre, vu qu'elle vous déteste, commandante. D'ailleurs... C'est incroyable d'avoir réussi à la convaincre de vous rencontrer. Réussi à la convaincre ? Taimi ? Commandante ? Comment êtes-vous entrée ? Comment avez-vous franchi ma sécurité ? Taimi ? Ah ! June ! Je venais justement vous voir et, comme vous voyez, j'amène... Par les dieux, que j'ai été sotte de vous faire confiance. Quant à vous, ambassadrice Mead... Je me suis portée garante de vous. Madame June, j'ignorais que je n'étais pas invitée. Si je l'avais su, arrêtez. Je n'aurais jamais... Je ne vous laisserai pas me prendre encore pour une idiote. Écoutez-moi, le monde se désagrège. Le vide de Suwon va le détruire. Dans ce cas, je trouverai comment la contenir. Toute seule. Disparaissez, ou c'est moi qui vous ferai disparaître. Cela vaut aussi pour vous, Taimi. Bon sang, June! Écoutez deux secondes au lieu de vous satisfaire du son de votre voix. Vous avez besoin de nous.
Elle est têtue, hein. Ouais. Elle veut absolument pas nous écouter. Du tout. Taimi, je croyais que l'idée était d'expliquer le plan à Jun. J'ai essayé, mais elle a déjà sa propre opinion. Et quand je lui parle de vous ou du réacteur, elle refuse d'écouter. Que peut-on faire alors ? Je reviens. Si elle veut bien nous écouter, on pourra sûrement la convaincre. Il faut juste trouver un moyen d'accéder à son atelier. Je pourrais ouvrir un portail ? Non, à moins d'avoir envie de se téléporter directement dans une cellule. Cet endroit est truffé de protections anti-magie. Mais c'est aussi assez facile à manipuler. Jun a fait disparaître ses marches rien qu'en détournant le courant des batteries. Oh, j'ai loupé. Donc, si on les alimentait à nouveau... Exactement. Et il y a des batteries partout. Ah, et cet endroit est connecté au réseau des drones de Jade. On peut les envoyer n'importe où depuis ici. Le créateur par Bae Kang. Ou Bae, je sais pas. Je te laisse lire. Tu répondras pas à ma question. Non, mais j'aime ta voix quand tu lis les bouquins, même oui, quand tu bégayes. Tu répondras pas à ma question quand même. Non. Oh là là. Le clair de lune se répandait à la surface ondulée de la rivière. Que l'endroit... Non, j'en ai marre, je vais aller me coucher. Non, mais... J'aime beaucoup quand tu lis, hein. Ah ouais, d'accord. C'est pas ça qui m'empêche de sortir des conneries. Oui. De lire n'importe comment. Oui, mais c'est ça qui est beau. Que les trois bateaux traversaient, perçant l'onde d'une ligne de ténèbres telle une flèche. Le mec était allongé à l'avant de l'embarcation et l'homme ramait derrière. Au loin, un cygne parcourait le lac en glissant. Le mec s'extirpa avec difficulté de son siège et observa le cygne. Il agrippa les bords du bateau, fasciné, et tendit un bras... dans la direction de l'oiseau. « Tu aimes les cygnes, on dirait ?» demanda Ongji avec un petit rire. Le mec détourna la tête vers lui. « Pourquoi je le sens mal, ce truc ?» Toi, tu penses que ça vient de... tu penses que ça vient de Snarl ? Oui, c'est... honnêtement, oui. L'autre, elle pense que c'est une romance entre humain et mec. Au secours. Bah, écoute, il t'a fait ça entre tir et humain, alors... Entre Logan, un pseudo-Logan et un pseudo-Ritlock, donc bon. Voilà. Sans parler de la romance Tralcatorine, hein. Oui, mais c'était mieux la romance pseudo-Monsieur Oursillon, ancienne vie et Zia, première vie. C'est clair. Le mec tourna la tête vers lui, marqua une pause, puis acquiesça. Il laissa sa main de métal pendre dans l'eau du lac et l'y laissa glisser dans le courant. Mais il a pas électrocuté tout le monde ? Ben non. Technologie de jade, imperméable, tout ça, tout ça. Ongji eut un sourire mélancolique. Aeri faisait souvent ça. On est venu ici quand on était jeune, à l'époque où je la courtisais. Il fronça les sourcils, cherchant à se rappeler la dernière fois où il avait ramé sur le lac, ou sur n'importe quel autre lac. Combien d'années s'étaient écoulées depuis qu'il s'était accordé un plaisir aussi simple et satisfaisant? Les mouvements du mec devenaient de plus en plus laborieux au fil des minutes. On eut tout à coup dit qu'il était sur le point de passer par-dessus bord vers le cygne. Mais Ongji se précipita pour le rattraper et l'aida à se réinstaller sur le banc. Il se remit à ramer en observant le petit noyau de jade terne niché dans le torse du mec, dont la lueur vacillait et menaçait de s'éteindre à jamais. Si ça s'arrête, est-ce que je peux le redémarrer ? Le mec plaça la main en coupe sur son torse, puis secoua la tête en dénégation vers Ongji. Devrions-nous chercher quelqu'un qui en sera capable, ton créateur ? Le mec secoua à nouveau la tête, d'un mouvement lent mais assuré. Les disques bleus de ses yeux se fixèrent sur Ongji. Il fit un grand mouvement de bras pour englober l'intégralité du ciel nocturne. Puis il indiqua le lac et le cygne qui nageait au loin. Enfin, sa main se reposa où son cœur aurait dû se trouver. Et il lâcha un long soupir de contentement. Il posa son autre main sur celle de l'homme et la tapota une fois ou deux et s'immobilisa. Les yeux embrumés, Ongji contempla son étrange petit compagnon, puis le lac et songea à nouveau à quel point les années s'étaient écoulées. Je vois, suis-je bête ? C'est triste. C'est beau. C'est beau et c'est triste. C'était trop beau, mais oui. Oui, c'est encore plus beau quand tu l'as lu. De travers ?
correctement. Tu sais, c'est marrant, on dirait qu'elle s'est barricadée dans son, dans ses appartements en mode « Non, mais je vous boude, hein !» C'est ça. Et je veux rien entendre de ce que blablabla, bla, bla, je bouche mes oreilles, j'entends rien. Il ne s'est rien passé. Pas assez de puissance. On dirait qu'il y a 3 cellules, et on n'en a rempli qu'une. Ouais, mais par contre, je vais garder ça parce qu'il m'a... Là-bas, il y en a 3 qui m'intéressent. Donc on va près de Casimir ? Ouais. Je ne peux pas dire que m'introduire par effraction chez June me plaise beaucoup. Bah, moi non plus. Mais elle ne nous a pas vraiment laissé le choix. Certes, mais si on veut vraiment gagner sa confiance, ce n'est sans doute pas la meilleure chose à faire. Sans compter que, si le plan ne fonctionne pas, nous finirons très certainement expulsés du pays. Si la réalité conserve son intégrité assez longtemps pour qu'on se fasse expulser, ça me va. Eh ben. Pas tort. J'ai eu peur. Je vais reculer. Je vais rester près de Casimir, c'est dangereux près de toi. Céline, tu crois vraiment que c'est le moment de bouffer? C'était un succès. Mais oui, mais j'ai déjà des trucs. Ça m'a mis quoi? Chance de drainer de la vie, mais je m'en fous de ça, je veux mon autre machin. Merci. C'est un peu what the fuck, hein, cette pièce. Hein. Ouais. Ah, là, il y a un livre à lire. Un exemplaire de la Gazette de Kainanger. Zunlaija déclare des profits sans précédent à l'occasion de la sortie de ses majordomes. Shanghai, 1838. Après un trimestre caractérisé par des profits impressionnants, Xunlaija vient d'annoncer le tout nouveau représentant de sa gamme de mecs personnels. Un majordome qui permet de réaliser l'équivalent du travail de 5 personnes. Et il s'appelle Sébastien. Alors j'ose espérer que non, parce qu'on sait ce qui se cache derrière Sébastien. Je veux pas dire, mais il faut que je me l'achète d'ailleurs. Tu veux t'acheter ce majordome ? Non, je veux m'acheter Sébastien. Tu sais que c'est la merde de proposer d'acheter Sébastien, parce que ça veut dire entre contrepartie que tu dois donner ton âme, hein. Ouais, alors dans l'affaire, je veux juste acheter le manga, je veux pas acheter le majordome, parce que là, je risque de m'en prendre plein la gueule. Oui, bah oui, voilà. Surtout que a priori, je n'ai pas besoin de lui. Et j'ose espérer pendant très très très, voire à tout jamais, ne jamais avoir besoin de lui. C'est pas ce que ton père disait. Ah ouais? Bah, il avait l'air de dire que tu sais pas te démerder. Non? C'est pas ça que tu m'as dit? Ah si, si, ça, il en est toujours persuadé, mais la question n'est pas là. Je ouais, te rappelle oui, que... Oui, mais c'est ma réponse. Elle a quand même d'autres objectifs un peu plus grands que juste te faire à bouffer. Ah bon? Oui. Oui, oui. Ah bon? Oui, oui. On en parlera au 30 et quelques tomes. Je ne savais pas. Ouais, c'est ça. Donc non, ce n'est pas Sébastien. La fondatrice et scientifique en chef de l'entreprise, Yu Jun, a fait la déclaration suivante. La promesse fondamentale de la technologie consiste à nous épargner le besoin de réaliser des tâches manuelles, laborieuses et machinales. Ouais, donc vous êtes des génies, quoi. Ouais, le souci, c'est que tu bouffes quand même la... La magie draconique. Non ! L'emploi de peut-être plusieurs dizaines de personnes. Ah, tu penses au chômage, toi ? On s'en fout. Oui. Fondamentalement dans le jeu, oui, mais quand même. Nous espérons placer au moins un majordome dans chaque foyer de Kanta d'ici la fin de l'année prochaine. C'est pas Detroit Become Human, ça ? Et rigole pas, je suis sûre qu'on y viendra un jour. L'entreprise de Yu Jun, fille de Yu Anjong, la négociante de jade, a connu une croissance exponentielle ces dernières années et est passée de la production de simples babioles à celle d'une gamme complète de technologies de jade dont on ne peut se passer, qui change nos modes de travail, de divertissement et de vie et de transport. C'est la même. Bon. Attention, commandante.
On a encore déclenché un dispositif de sécurité. Encore ? En tout cas, Slimane n'est pas très diplomate. Hey ! Ben, c'est vrai. Non ? Il s'est peut-être arrangé quand même depuis le temps. Ah, vraiment ? Non. Si, quand même, peut-être. Peut-être. Bah, elle est moins haineuse qu'avant, mais je veux dire, elle est quand même pas diplomate dans cette maison. Disons qu'elle a pas la langue dans sa poche. Ça ressemble à quoi une langue de Silvari d'ailleurs? Attends, je zoom, 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 zoom à fond. Allez, fais ah. C'est une magnifique collection que Madame June a là. Elle est très décorée. Et elle tient à ce que tous ceux qui entrent chez elle le sachent. Vous savez, commandante, j'ai passé du temps avec elle à la cour. Et je crois que je comprends. Les nobles ne ratent aucune occasion pour lui rappeler ses origines. Alors elle n'en rate aucune pour lui rappeler ses accomplissements. C'est une façon de voir les choses. Ces parchemins anciens sont des artefacts sauvés des Nornes, une race de géants de la chaîne des Cimes Froides. Le texte est intraduisible et aujourd'hui encore, leur culture reste mystérieuse pour l'essentiel. Eh ben, ils ont mal vieilli. Les parchemins, hein, pas les Nornes. Ah, je croyais que c'était les Nornes, du coup c'est moins drôle. Ceci est un des vases créés par Yudalray. Durant la majeure partie de sa vie, elle n'a eu accès qu'à des matériaux simples, mais le succès de Xunlai a permis à June de lui offrir beaucoup de nouveaux outils d'artisanat. June est manifestement une fille dévouée. Les différentes cultures de Tiri. Ah ouais, on a de l'Elonien dans les armures. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ont des styles vestimentaires très éloignés. Quant à reste fermé, on ne peut qu'imaginer à quoi les modes vestimentaires plus récentes ressembleraient. Ces tenues sont plutôt modernes. Mai a dû les récupérer. Mai. Le mois de Mai. Maitrine. C'est... T'as toutes les prononciations possibles. Oui, mais la mienne est mieux. Une monstruosité de l'océan infini depuis que Sou. C'est pas gentil de dire ça de Silma. Won est devenue la gardienne de Kanta. De nombreuses horreurs ont été repérées dans ses profondeurs. Ce spécimen a été capturé à l'extérieur du réacteur Yun. Ça a mis du temps. Et pour les cuisines en plus. Oh. Salut. Pardon, je ne voulais pas vous déranger. Je suis. La Tyrienne, je sais. J'imagine que vous cherchez ma femme. Il est marié. Je dois absolument lui parler. Ce n'est pas moi qui ai saboté son réacteur. Je vous crois. Taimi a été très convaincante. À mes yeux, en tout cas. Mais June, elle n'aime pas avoir tort. Et ce qu'elle aime encore moins, c'est être humiliée. Vous avez porté un coup à sa réputation à la cour. Que vous l'ayez voulu ou non. Je réglerai ça. Je vais tout arranger. C'est très ambitieux. Vous avez cela en commun, elle et vous. Vous endossez toutes ces responsabilités. Quitte à ployer sous le poids. Je pensais pas qu'elle était mariée, qu'elle avait une fille. Ben, moi non plus. Vous parlez à Gabi. J'aime bien les verrouillages. Quand il y a un verrouillage, j'ai droit à des nouilles. Oh, elle est trop adorable. Vous savez que les Moas ne peuvent manger que si... Mais en fait, c'était à papa que je voulais parler, mais bon, soit. Liste de tâches de Jimoon. Plus de gym. Gingembre. Multi. Expédier le brouillon du livret. Prendre aussi le bouillon, parce que là... S'assurer que June mange. Trouver un nouvel instructeur de danso pour Sung, plutôt de danse. Rendre son livre là-haut. Envoyer des invitations à dîner.